Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Open Size 4. Comme vous le voyez, toutes mes armées sont en train d'arriver. De ce côté-là, on occupe déjà une des îles. Je me dis que réclamer les deux îles à Gênes, c'est pas trop, à condition que j'arrive à faire un bon score de guerre sur la France, parce que la France est notre cible. L'Espagne voudrait le Labourd. C'est le Narbonnais, c'est de l'autre côté. Mais ils sont en train de perdre, donc on va devoir plus ou moins mener la guerre pour eux. Ou alors les laisser perdre. Si ils sortent Gênes, ça m'arrange pas. Par contre, ouais, ils sortent aussi vite qu'ils peuvent. J'avais pas vu que j'avais des séparatistes de ce côté-là du monde. Ah, vous. Faites notre armée anti-rebelle. J'ai mis en anti-rebelle pour qu'ils automatiquement ils aillent sur les provinces les plus intéressantes. J'ai des bateaux. Je suis pas sûr de pouvoir les comparer aux navires génois. On va rester dans notre mer intérieure. Nous ne contrôlons pas encore toute la mer Méditerranée. Et a priori, ça n'arrivera pas. Voilà, on est à nouveau libre. Pourquoi on peut pas aller siéger là-bas? Je crois qu'on n'a pas les accès. La Suisse est contre nous? Non. Ouais, je préfère siéger les Français en fait. Focusons les Français. Bon, on a tous les pays qui peuvent rejoindre la CoA contre nous. Ce qui fait que finalement il y a beaucoup de monde. Il manque Bahamani, il manque la Moscovie, les deux avec qui j'ai une trêve, et il manque l'Afghanistan avec qui j'ai probablement une trêve aussi. C'est fou que Bengale ait pris 170 expansions agressives quand le Vijayanagara a 0, tous les autres peuples ont 0, et des petits peuples comme ça ont même pas 50. Vous êtes pas censé avancer, vous? D'ailleurs, de préférence, pas tous en même temps. Prenons des points. D'ailleurs, eux pourraient commencer à faire le siège. Ah, c'est l'Espagne qui fait. Ils vont peut-être me donner le contrôle, mais. Je préférais être le type qui a commencé le siège. Pas pourquoi ils se tassent ici, je pense qu'ils prévoyaient de passer par Sélé et finalement on n'a plus l'accès chez eux. Légalisme ou mysticisme? Repassons côté légalisme. Oh. Heureusement que j'avais beaucoup d'armées dans le coin, finalement. Cette armée-là va venir en support par là. Mexicos. Il y a des armées. Des pays. Qui ont l'air sortis de nulle part. Bon, le Danemark probablement va pas prendre trop de territoire moscovite, vu que il leur faudrait 4 guerres pour finir de manger les Moscovies. Probablement dû au fait qu'ils ont une grosse province là aussi. Ça, c'est des petites provinces. Ils ont quand même des grosses provinces près de chez moi. Ils ont des petites provinces et des très grosses provinces. 34, 27, et en même temps, ils ont plein de provinces à 3. On verra. Je sais pas ce qu'ils ont revendiqué. S'ils ont revendiqué des trucs, pas grand-chose. 7, 12, 15. On verra bien. On voit avec les revendications de province légitime que la Moscovie a beaucoup perdu. Beaucoup, beaucoup. Au profit de moi, un peu la Pologne et un peu le Danemark. Reprenons notre guerre sur la France. J'ai eu un instant de visite des autres pays.
faudrait un troisième général. En plus, la France est mon rival. Dernier rival possible avec l'Espagne. Waouh, c'est tombé super vite. Pareil. Oh là, c'est l'hécatombe des forts. Oh oh. On va les céder. Je me demande si c'est pas trop tard. Ouais, on attaque, c'est pas grave. On a quand même gagné. On va se grouper. Niveau naval, on perd. Ils perdent, nous ne sommes pas impliqués. Paris tombe. Je pense que j'ai un bon score, moi. 20%. Est-ce que je peux commencer à demander des trucs? 49, il faudrait un sacré score pour pouvoir demander deux provinces. Côtière. Peut-être que je pourrais leur demander d'annuler leurs accords avec Gênes et m'attaquer à Gênes plus tard. Il y a une armée qui se replie. On est en colline. Ils ont pas tout leur moral. Profitons-en. C'est des batailles avec des très très gros généraux. Je sais pas pourquoi leurs forts tombent vraiment les uns après les autres. Ça restait sur le fort. Oh oh oh. Je pense que j'ai perdu là. Je m'attendais pas à une arrivée de renfort aussi grande. Oula, et on se replie à une province. J'espère qu'on est protégé par le fort. J'ai pas d'autres armées. Si, j'ai une autre armée. 40 000 hommes à peu près. Ah, je ne peux plus passer. Quelqu'un a coupé l'accès. Si, je peux passer au sud. Occuper Conny en attendant. Quand t'avais naissance, c'est des petits forts, c'est pour ça que ça tombe aussi. Là, on se replie. On va les payer. Oh oh. Ça, c'est embêtant. Surtout si j'ai pas de zone où me replier. Par contre, si je me replie sur Conny, je peux avoir beaucoup d'autres troupes au même endroit. Fin du siège de la bourg. Ah, j'ai pas de général, du coup ça va piquer. Faut que je me fasse wipe. Bon, je me ferai pas wipe. Ici, on se replie. Plus serré que ce que je pensais. De retour ton compte à Vénessin. On a gagné là. On se fait réattraper. On peut se replier nulle part. On va finir par se faire wipe. Hein. Sauf peut-être si j'arrive à me grouper avec une autre armée. Je crois que c'est bon là. Alors. Toutes les provinces ruthènes sont contentes et pas les provinces turques. Soit. C'est bon, ça fait un gros paquet. C'est un gros paquet sûr. Auxerrois est retombé. 28 score de guerre, j'ai. J'ai beaucoup de corruption. Essayons de la diminuer. Et commençons tout de suite nos colonies. On va prendre 1, 2, 3. 3 janissaires. Et commencer celui-là.
Un peu au pif. Ah mince, ça sent le wipe, ouais. Une armée trop isolée, c'est souvent une armée qui meurt. Oh non, on va pas prendre les rebelles que juste comme ça. Restons du côté espagnol. Fin du siège du Finistère. Prenons ce chouette général. Et allons les chasser. Le comte avénissin est tombé. Où est-ce que je peux aller? On bloque ce fort-là? Je peux passer par là? Je peux aller jusqu'à Auxerrois. Ah, Franche-Comté tombe. C'est juste une petite armée, ça c'est pas très malin. Je rectifie, c'est pas malin du tout. Fin du siège de Narbonnais. C'est une micro-bataille, on n'interférera pas quoi que je pourrais en pratique. On peut aller jusque là-bas, allons-y. Écrabouillé. Moi j'ai 38 de score. J'ai pas utilisé les bons points, c'est une blague? Non, c'est pas du tout une blague, j'ai fait une grosse bêtise, c'est pas grave. Montons cette province-là, Latina, j'ai accepté les Grecs il y a longtemps dans mon empire. Bon, du coup, j'ai un peu gâché tous mes points de puissance diplomatique dont j'avais quand même beaucoup plus besoin. Essayons d'attraper les Français. Il y a des grosses armées côté génois. Sans récupérer des points, mais ça fait de l'agitation locale. Kéfé, Karali dans l'intérieur, Delta du Bengale. Soit on s'y oppose et gagne en influence et en loyauté et en agitation locale. On va pas prendre le truc définitif, c'est peut-être pas si utile que ça d'avoir des points pour autant de malus. La France est motivée, mais a priori. Ça va pas tellement durer. Mince, on peut pas passer là. Ah, c'est bête ça. Ils sont très nombreux. Oh oh oh. Là, je me suis fait avoir. Hein. J'espérais demander des trucs et maintenant je peux plus rien demander. On dit que c'est pas grave. On dit que c'est grave et qu'on va absolument. J'aimerais voir ce que ça donne quand même. Je vais revenir à la sauvegarde d'avant. Ok, alors j'ai relancé la partie, j'ai rejoué un tout petit peu.
En maintenant quasiment des batailles constantes avec les Génois de façon à ce qu'ils refusent de faire la paix blanche parce que bataille en cours, je peux maintenant faire la paix et demander les deux îles tout juste, même avec tes sous. Donc on va faire ça. Et désolé pour l'Espagne, mais ces provinces-là me sont... Enfin, c'est trop embêtant, je trouve, d'avoir... Là, j'ai 87, voilà, je me fais 25 du 4+, je crois, parce qu'il fuit pas vers le nœud de Raguse. C'était en partie lié au fait que cette province-là avait un bonus, je crois que je l'ai fait disparaître. Ouais, en la prenant, tant pis. C'était un carrefour commercial. C'est des provinces grecques dans la mer Égée, vraiment. Après, il restera Rhodes et Chypre qui font encore tache dans mon univers côtier qui représente à peu près la moitié de la mer Méditerranée. Enfin, ouais, en incluant la mer Noire. Ouais, encore une fois, désolé pour l'Espagne. C'est pas cool pour eux, mais c'est comme ça. On va enchaîner avec le Darfour. Attendez, je sais pas qui est dans la Koa. Pas du tout le Darfour. Alors, soit les gens vont commencer à quitter la Koa, soit on va commencer à attaquer. Bahamani, on peut pas, il y a encore une trêve. Et l'Afghanistan, c'est pareil. Et la Moscovie, à mon avis, c'est pareil aussi. On va bien voir. Si j'attaque quelqu'un dans la Koa, ils sont plus nombreux que nous. D'accord. Deux fois plus nombreux à peu près. Donc il faut que je conserve des bonnes relations avec mes alliés. Et peut-être, pourquoi pas, que je refasse quelques armées. Voilà, juste au cas où. Ça se passe trop mal. Celle-là, on va dire que c'est une double armée. Hop. On va garder. Pour l'instant, j'étais plutôt partant pour me préoccuper de Mamelouk, Karabi, tout ça. Enfin, de me battre dans cette région-là. Peut-être avec le Yémen ensuite. Il me reste une armée ici. On va la garder pour la transoxienne. Alors, voyons si les gens sortent. Pas vraiment. Le café s'est diffusé. Le Yémen à l'événement, le déclin d'Al-Moukash va survenir. Le Yémen a avait un monopole du café, si je puis dire. Il a perdu et il y a une des missions un des succès européen Size 4 à faire avec le Yémen qui consiste à avoir, je crois, au moins 10 provinces de café, c'est-à-dire à peu près toute la région, grosso modo. Et que les Européens n'aient pas de province productrice de café jusqu'en 1600, je sais pas quoi. Donc les Pays-Bas gagnent des sous et le prix du café chute. Ils ont plein d'événements diffusion de telles ressources. J'aimerais bien en avoir aussi, idéalement sur une ressource que j'ai très peu, genre des vaches peut-être. À Venise et Bahamani en plus, j'aurais dû peut-être guetter le moment pour réattaquer. On va refaire une pause. Je reviens une fois que j'ai déclaré la guerre à Bahamani instantanément. Ok, on est reparti. Visiblement, ils quittent pas la Koa, donc on va s'attaquer à Bahamani tout de suite. Comme ça, on le retrouvera pas dans la Koa. Et il faudrait que je guette aussi la fin de la trêve avec la Moscovie 63. Et l'Afghanistan 60. Ok, si jamais je peux attaquer que Moscovie, Afghanistan et Bahamani dans ces années-là, c'est pas si grave. On va ranger nos bateaux. J'ai déjà envoyé mes troupes vers des endroits différents. Je crois que celle-là, elle part pas au bon endroit. On va l'y envoyer.
Je vais vraiment déclarer la guerre avant d'être prêt, mais c'est pas bien grave. On pose ces deux provinces-là. Oula, petit coup de lag. Une à 41 d'ailleurs. C'est tout ce que j'ai demandé à Bahamani. Si ce n'est peut-être un passage pour pas trop cher en termes de province jusqu'aux provinces du Bengale. Et si je me relis cette province-là, a priori il me manquera juste Paliputa. Et je relierai mes provinces côtières ici. Alors oui, ça, j'avais pas fait attention. J'ai lancé la construction d'une armée bien avant de lancer la guerre, mais... il va en pâtant, c'est-à-dire qu'il recule. Venise a rejoint la Koa. On a une armée qui arrive, mettons-leur un super général de combat. La Pologne s'attaque à l'Empire, je dirais. Ou alors Venise s'attaque. Croatie, reconquête Silène. Silène attaque la Croatie. Avec l'aide de la Pologne, Lituanie, Ferrare contre Venise. D'accord. C'est un conflit qui ne me concerne pas vraiment. On va faire des revendications sur la Pologne. Elle est alliée au Danemark, c'est quand même beaucoup. On va pas en faire finalement. On va faire sur la Moscovie. Et la Transoxiane. Ou alors, l'Afghanistan, il faut que j'en ai une à la fin de la trêve. Combien de... Il représente quasiment deux fois la... deux guerres, alors qu'ils sont pas très gros. Mais j'ai laissé surtout des grosses provinces. Ils ont que 9000 hommes. C'est pas grand chose. Ils sont passés tech 17. Nous sommes tech 20. Niveau institution, ils ont toujours du retard. Sur la presse imprimée. Et les manufactures, mais ça c'est plus normal. Ils ont tous pris le commerce mondial, sauf les Oirats et des colonies du Pays-Bas. Et ici aussi, le commerce mondial n'a pas été pris. C'est chez moi. Ah, c'est probablement parce que c'est des compagnies commerciales. Du coup, la presse a imprimé. Et alors le commerce mondial se répand doucement parce que limitrophe d'une province ayant adopté le commerce mondial. Et presse à imprimer. Ne se répand pas. Là, ça se répand. Province amie voisine a adopté la presse à imprimer. Le fait d'avoir mon pays en essentiellement compagnie commerciale, ça fait que les institutions se répandent pas très vite. J'y avais pas pensé. Elles se répandent pas parce que je l'ai adopté, elles se répandent parce que il y a une province à proximité qui l'a. Mais je pense qu'elles comptent quand même dans le total. 6 provinces. D'ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit des provinces que je contrôle à 100% qu'il ait adopté, parce que les provinces à 90%, logiquement, elles comptent 10 fois moins. Pays-Bas se battent contre la Croatie, tout ça. Non, je vais vous laisser faire de votre côté. Je veux pas m'impliquer plus que nécessaire. On a gagné une grosse bataille. Alors que mes armées sont loin d'être toutes arrivées. J'ai de quoi faire des revendications sur le bagel. On va récupérer. On va réclamer celle-là. Province côtière de 3, je la prendrais bien. Qui produit du blé. Blé qui vaut très peu. C'est des céréales, pas du blé. Mais bon. Ah, ils sont allés occuper mes deux provinces là-bas. Avec tous leurs soldats, ils ont déjà du mal à vaincre une de mes armées. Bon, je pense qu'ils arrivent en même temps, ça leur pose pas de soucis.
ils s'en sortent, mais faudrait peut-être que je j'annexe les Dawassir. Ils sont très petits. Ou alors je leur donne des territoires Mamelouk et Hormousien. Ah, pauvres belles, ils faisaient que passer. Moi j'arrive et je les écrase. Je pourrais développer en point militaire une province en train d'adopter les manufactures. Celle-là, elle est déjà max. Saruhan, elle est très haute. Parce qu'elle a une plantation et il y a une province amie. Ah, celle-là. Qui a adopté la truc. J'ai pas d'idées militaires, oui, c'est juste des idées autres. Je me suis fait 3000 hommes d'ailleurs de ce côté-là. Dont l'objectif était d'aller sécuriser la province. On va en refaire 3000 et commencer à prendre d'autres provinces. Fin du siège de Bidar. Alors peut-être que vous, vous allez plutôt revenir. Quoique non, j'ai des grosses armées de ce côté-là. On va les attendre. Hop, bonjour vous. Oh, ça pique. Pique beaucoup, beaucoup. Les territoires glacés. Je me dis qu'il vaut peut-être mieux que j'avance jusqu'à la côte parce qu'il n'est pas inenvisageable qu'un Européen vienne coloniser la côte et commence à s'enfoncer en Russie sans me laisser les provinces. Donc faudrait que je prenne celle-là plutôt que celle-là. On a déjà beaucoup de scores de guerre. Ça me plairait si la. Oh yeah, 5, 5, 4. Ça me plairait si la Hongrie commençait à se répartir. Je crois pas qu'on puisse leur demander explicitement. C'est ce qu'ils font doucement, mais. Ah, ça, c'est des provinces très légitimes que je peux convertir. Du coup, elles sont agitées, mais pas pour longtemps. Elles sont dans un état, ouais. C'est du coup des rares provinces qui sont pas à 90% et pas à zéro. Contrairement à tout le reste de mon empire en fait. Sauf celles qui sont à plus de 90%. Alors de ce côté-là c'est tombé. Et juste Bahamani, il a pas un très grand pays. C'est quand même relou à tout. Tout siégé, il reste encore des forts, un nombre non nul de forts, 1, 2, celui-là il a que 5, celui-là il a 7, je vais baisser la musique dans mes oreilles. Normalement, elle est pas trop forte pour vous. J'ai fait beaucoup de d'expériences pour vérifier que le son était bien. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez quand même pas à me le dire. Sur beaucoup de navires lourds, je ne sortirai pas mes bateaux. Le Danemark a mangé pas mal, j'avais pas vu. Sur la Moscovie, une tranche de plus. Et il a sûrement demandé d'annuler les revendications sur les territoires qu'il avait déjà pris. À mon avis, la Transoxiane attaque. C'est ça. Transoxiane est plus puissante que la Moscovie alors qu'ils ont perdu quasiment tout leur territoire de base. Enfin, ils ont une moitié de leur territoire de base. Ils ont les territoires pauvres mongols en échange.
pu avancer par là. J'ai la province objectif de guerre? Non, mais war. Peut-être pour ça que j'ai un mauvais score aussi. Elle est là-haut. Bon, après le siège du mémoire, je vais regagner 10 points. Ce sera bon pour faire la paix avec ce fort-là en plus. Ouais, ce sera bon. 99. Fabriquer des revendications. On va demander les provinces pas trop hautes. On va demander à la province à 7 qui est là. Tu vois bientôt l'institution. Est-ce que on n'enchaînerait pas sur Vijayanagara. Non, c'est l'Afghanistan sur lequel je dois enchaîner. Le truc, c'est que j'ai une trêve avec eux pendant encore un moment. Bon, c'est pas tellement grave. Je peux pas vraiment me permettre d'attaquer toute la Goa à la fois. Un point de stab. Bon allez, arrêtons-nous là. Donc je voudrais ces deux provinces-là. Et ensuite 39, 41. Mais j'ai besoin de passer jusque là-bas. À moins que ça se fasse moins de 41, non. Voilà, quasiment que des provinces qui consomment rien. 76, c'est pas beaucoup. Ah, attends, c'est 73 ça? Ouais, c'est une petite province. J'ai légitimé Mewar. Enfin, j'ai revendiqué Mewar, prenons-la. Oh, celle-là, c'est une énorme. 85, 84, 91, 98. On va s'arrêter là. Il n'y aurait pas Vijayanagara. Par contre, ça me permet pas de faire des claims sur Vijayanagara. Peut-être que demander des provinces côtières, c'est quand même plus intéressant. Ah, ça me fait 101, c'est un peu trop. Je sais pas si je peux revendiquer cette province-là. Notre réseau doit avoir atteint. D'accord. Ce serait quand même. Donc on va quand même faire ça. Peut-être avec province de Nashik en moins. Ça fait 100 tout pile. 101. Il n'y a pas moyen de faire un compromis. Non, il me faut cette province-là quand même. Peut-être si je prends Pune à la place. 102. Hein, c'est pas mieux. On prend 97 sinon. C'est bien. Hein. Je veux pas dépasser les 100. Alors, je peux remettre la France et je peux mettre la Pologne. Est-ce qu'on se fâche définitivement avec la Pologne? Ils nous aiment vraiment déjà pas beaucoup. On va dire que oui. Mais faut pas qu'ils soient dans la quoi quand même. Hein.
Parce que j'ai déjà beaucoup de monde dans la cour en Afrique et en Asie. Je vais pas avoir une tonne d'Européens en plus. Un autre pays que je peux attaquer fastoche, c'est le Darfour. Qui est juste allié à Kaffa. D'ailleurs une armée dans le coin. Ah, il se retire, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en guerre? La transoxiane, oui. C'est pas tellement eux que je prévoyais d'attaquer, mais peut-être que va falloir que je change mon fusil d'épaule. Ou alors j'attends jusqu'en septembre. Hein. Transoxiane, je crois pas que j'ai beaucoup de revendications. Si pas mal. Nogai, il est toujours dans la quoi. Ah, ils sont alliés à Nogai et à Ormuz. Le truc, c'est que Nogai et Ormuz, ils pourraient appeler les gens de la Quoi. On va s'occuper du Darfour et de l'Afghanistan. Et on verra plus tard pour la suite. Ah, la Croatie est complètement perdue. Venise aussi. Ça m'arrange si jamais ils perdent des trucs. On a eu des soulèvements en colonie. Ils sont pas dans la même région, c'est pourquoi je peux pas les fusionner, c'est mieux. On a toujours notre revendication sur le Darfour, on en fait une seule, c'est pas grave. On pourrait leur proposer la vassalisation. Est-ce que ce serait pas plus futé? Non, pas vraiment, parce qu'après il faudrait que je double légitimise tous ces territoires. Delhi attaque Bahamani. À mon avis, c'est ça. Ah, je les ai presque coupés en deux du coup en faisant un truc. Ouais. Est-ce qu'ils ont des gros alliés, Delhi? Non, ils y vont tout seuls. J'ai des provinces à prendre sur Delhi. Je pourrais demander plus de points aux Zoomera. J'aurais pu demander il y a longtemps d'ailleurs. J'ai toujours ceux des Zoomélia ou les Ma, mais j'avais pas ceux des Zoomera. Mamelouk autant là quoi. Le Yémen n'y est pas. Probablement parce qu'il est en guerre. Qui va pas être embarqué dans une autre guerre. Y a plus de temps de monde dans la quoi. Je pense que si jamais on attaque un par un les pays qui sont sortis, on n'aura pas de soucis. Allez, c'est parti. Un, deux, trois. Et on avance. Il y a Kaffa aussi. On va juste faire la paix avec Kaffa. Là, j'attaque pour des provinces. Pas cher. Ils sont allés au Caradel. Est-ce qu'on n'enverrait pas une petite armée pour le Caradel? Je peux pas vraiment m'approcher tant que ça d'eux, mais. On va s'approcher du côté d'Eli. De Delhi. Sera en septembre. Oh. Il m'attaque. Pense que j'ai une armée d'un millier d'hommes qui arrivait d'abord. Enfin, on assiège leur capitale directe.
Sont gros cafards ou c'est juste visuel? Non, ils font quasiment trois guerres. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le suivant.